êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop. Voilà mes chers amis, comme je viens de vous dire, ce soir j'ai le plaisir de recevoir un ami, Monsieur Jean-Philippe Biron, l'ancien directeur de la magazine Chambre et Sénat. Monsieur Jean-Philippe Biron, bonsoir, comment allez-vous? Merci, vous-même. Excellent, excellent. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur, mais chez vous, il ne fait pas chaud tellement, comme à Paris. Non, tout de suite, il fait bon. Est-ce que vous avez bien dormi hier soir? Pardon? Hier soir, vous avez bien dormi? Ben, ma foi, sans problème. Vous savez, à Paris et dans d'autres villes de la France, on n'a pas bien dormi, malheureusement, à cause de bruit. Oui, ben... Célébration ben, de... Ça a un petit peu parlé, mais j'ai plusieurs amis qui m'ont appelé à ce sujet-là. Et qu'est-ce que vous en dites si on commence tout de suite par ce sujet-là, qui est donc moins de 15 jours, deux nuits consécutives, le peuple était presque dérangé dans la joie d'une partie de la population, qu'ils ont raison d'être joyeux, mais pas déranger les autres. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet, vous? Déjà, vous êtes économiste, je sais qu'il y a politique aussi, et ça vous dit quelque chose. De toute façon, pendant des années, directeur de la magazine Chambre et Sénat, nous avons eu le plaisir d'avoir un directeur comme vous. Beaucoup d'expériences, beaucoup de sujets assez intéressants, nous avons entendu de vous, nous avons lu de vous, Jean-Philippe Biron. Actuellement aussi, vous êtes toujours actif, dès que vous voyez une photo, une information, vous réagissez, vous êtes vivant dans la politique de notre pays. C'est pour ça, si vous permettez, juste au départ, on va commencer comme ça, voilà. Pourquoi c'est comme ça, Monsieur Jean-Philippe Biron? Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais disons que certaines personnes actuellement ont le sentiment que le monde leur appartient en globalité et qu'ils peuvent y vivre comme ils le souhaitent en se tenant... comme ils souhaitent le faire, en contrôlant les gens comme ils souhaitent le contrôler, et tout cela sans que qui que ce soit puisse leur dire quoi que ce soit. C'est une sensation de mondialisme relativement fictive, mais qui se magnifie quand même, qui se manifeste de plus en plus souvent. C'est-à-dire, d'un côté, nous sommes témoins de voir, M. Jean-Philippe Biron, que certains pouvoirs politiques dans le monde ont été transférés au pouvoir populiste, on peut dire, et de temps en temps même raciste. Et le contraire, de l'autre côté, cette violence dans la joie et cette histoire d'intégrisme dans le combat. Est-ce que les deux idées et les deux actes qui existent dans le monde ont un rapport ou chacun sont indépendants, à votre avis? Disons qu'en France, tout le monde est libre, nous accueillons toutes les cultures. Certaines cultures se manifestent plus sobrement, d'autres par contre... mettre le désordre, tout le monde sait comment ça se termine en général, mais il constate depuis plusieurs années l'impunité quasi totale qui règne,
des peines de prison qui sont réservées à certains crimes réels et importants. Et pour le reste, la mauvaise tenue, les changements de vision de la société. Certains pensent que la démocratie, c'est ça. Bon, je pense que très rapidement, certains se rendront compte dans leur propre pays que ce n'est pas ça. Et ça leur donnera envie de venir ici. Alors, je ne sais pas quel intérêt nous avons à accueillir ce genre de personnes. Mais nous récoltons le résultat d'années de non-traitement de certains problèmes. Ou de traitement réduit. Par ailleurs, actuellement, tous les moyens sont disponibles pour régler ces problèmes, mais il ne semble pas que le moment ait été considéré comme bien choisi pour les faire intervenir, sans arriver à des solutions fâcheuses comme celles que l'on a attribuées à certains membres du parti politique qui deviendraient très dangereux et à craindre par tous, mais qui pour le moment se tiennent plutôt mieux que d'autres. Difficile de répondre très clairement là-dessus. Pourquoi difficile? Est-ce qu'il y a une autocensure, M. Jean-Philippe Piron? Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé dans le monde entier en tapant ici-et-maintenant.com. Vous avez même l'image, mais j'ai le plaisir de recevoir M. Jean-Philippe Piron par téléphone puisqu'il est tellement loin par rapport à Paris. Mais je le remercie de consacrer cette nuit avec nous, surtout à cette heure-ci. Monsieur Jean-Philippe Biron, comme je viens de dire, un écrivain, économiste et l'ancien directeur de la magazine Chambre et Sénat. Moi, j'ai personnellement beaucoup de bons souvenirs avec lui et sa femme qui est artiste. Comment va madame, monsieur Jean-Philippe Biron? Elle va bien? Merci, ça va bien. Elle nous écoute ou non? Pas tout de suite, non. D'accord. Alors, elle va écouter l'enregistrement parce que c'est vrai, à cette heure-ci, elle dort peut-être les Europes. Enfin, M. Jean-Philippe Piron, est-ce que je vais prendre votre dernière fois ce que vous venez de prononcer, que vous ne pouvez pas vous exprimer, est-ce qu'il y a une autocensure qui règne, au moins en France? On ne va pas parler de d'autres pays, parce que, par exemple, nous pouvons constater que dans certains pays, c'est extrême, c'est la réalité, je ne sais pas, je ne vais pas juger. Comme aux États-Unis, M. Trump, il vient de parler, vous voyez, chaque fois, il dit des choses qui tournent la tête des gens, vous voyez. Il ose de dire des choses, enfin, patron d'une grande puissance mondiale, internationale, patron des États-Unis, il dit des choses. Mais ici, pas question de dire des choses ou non. Même on laisse passer certaines choses, voilà, on laisse laisser certaines choses. Après, de l'autre côté, il y en a une autocensure pour ne pas dire la vérité et ce qui se passe exactement dans la société. Imaginez-vous l'histoire de gilets jaunes de dimanche passé. Enfin, il n'y avait pas de gilets jaunes, même pas, on n'a pas vu une personne avec le gilet jaune, mais une fois que cette manœuvre, cérémonie, fête nationale, le 14 juillet, a terminé, avec la présence des invités de prestige de d'autres pays, et surtout M. Jean-Philippe Biron, une chose qui était formidable, c'est à l'époque, moi j'avais peut-être 5-6 ans, en 1966, on avait témoin d'un film, Fahrenheit, comme quoi les soldats qui volaient. Alors cette année, président Macron, il a eu le plaisir
puisque lui, il est président, que le soldat français vole sur Champs-Élysées. C'était une anecdote assez historique qui va rester dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un rêve d'un écrivain et de plusieurs milliers de personnes a été réalisé, et ça c'est en France, et c'est en 14 juillet qu'on voit ça, avec plein d'autres choses, de beauté, de pouvoir et de la force de la France. Mais tout d'un coup, quand tout est fini, les gens habillés en noir, ils vont attaquer Champs-Élysées, ce que vous avez vu, ce que nous avons entendu. Ça, c'est quoi vraiment? Est-ce que vous pensiez auto-censurer, ça cause tous ces problèmes-là, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'il fallait dire dans les médias? Vous, que vous êtes un homme de médias, monsieur Jean-Philippe Biron, on vous écoute. On ne peut pas trop en vouloir aux médias actuellement. Les médias disent des choses. Ils les disent de façon à ne pas être repris, à ne pas être corrigé, si on peut dire, mais la plupart des médias disent à peu près ce qui se passe. Et si l'on regarde l'ensemble de la presse, ben on a un assez bon aspect de ce qui peut se passer en France. Ce n'est pas vrai dans tous les pays où la presse est dite libre. Comparé avec les États-Unis, c'est difficile. Les États-Unis, c'est un grand pays qui a beaucoup souffert au cours des années, qui a une certaine hégémonie dans toute une partie du monde, qui constate actuellement des faiblesses dans un certain nombre de pays, qui a difficilement du respect pour les pays européens, qui trouvent facile d'y faire commerce et qui souhaiteraient, dans la mesure du possible, que cela lui coûte le moins possible et que, par contre, cela coûte le plus possible aux entreprises qui travaillent aux États-Unis. Mais il faut quand même remarquer que le président Trump, depuis qu'il est arrivé, à recréer une situation de dynamisme économique qui n'avait pas existé dans son pays depuis des années. Que ce soit un homme parfait, on ne peut pas demander ça à qui que ce soit. Il est efficace en tout cas. Il a également le poids de l'être. La banque aux États-Unis entièrement est libre par rapport aux autres banques du monde entier, dans le cadre du FMI bien évidemment, mais elle est libre et elle dispose d'une machine à imprimer des billets dont elle se sert comme de nécessaire, liberté que nous avons perdue volontairement il y a bien longtemps, et qu'on saurait reprocher au président actuel de la République, qui essaye de faire de son mieux sur un certain nombre de sujets très, 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 très variés. Il est difficile de tout faire en même temps. Alors que des gens de l'extérieur se disent, ben, la France, on peut y faire ce qu'on veut, on peut devenir français à condition de payer ce qu'il faut, ou de ne pas payer, et de recevoir plus en venant ici qu'en travaillant dans son propre pays. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas de travail dans leur pays, mais dans la plupart des pays du monde, on meurt de faim si on ne travaille pas. C'est pas le cas en France. C'est pas le cas en France, c'est une bonne chose que ce ne soit pas le cas en France, mais le système a quand même ses limites et actuellement on essaye de faire beaucoup d'économies, on n'y arrive pas toujours. Les homards de Rungis coûtent toujours aussi cher, voire de plus en plus.
bon, malheureusement, tout le monde ne peut pas en manger en même temps. Ce sont toutes très bien pour leur foie. Et ça coûte donc moins cher au système médical. Système médical qui doit soigner de plus en plus de monde avec de moins en moins de personnes. Il est difficile de choisir des priorités. Surtout dans la confusion que certains se plaisent à alimenter régulièrement. Situation très difficile. Situation très difficile et trop d'assurance quelquefois nuit à la clarté de certains comportements. Comment vous voyez le futur, alors, Monsieur Jean-Philippe Biron? Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Jean-Philippe Biron, économiste, écrivain, journaliste et l'ancien directeur de la magazine Chambre et Sénat. Ce que vous venez de dire, Monsieur Biron, concernant les États-Unis, vous avez tout à fait raison, puisque l'arrivée de Donald Trump a réglé énormément de problèmes économiques qui existaient dans le pays, c'est-à-dire avec les taxations, avec certaines décisions qu'il a prises, puisque je suis en contact, comme vous êtes, je sais que vous êtes en contact direct avec les Américains. Alors moi aussi, je vois les Américains, ils sont satisfaits puisque immobilier, business, le chômage, tout ça, ça a bougé. C'est-à-dire l'état économique de l'Amérique s'est amélioré. Mais bien sûr, certains propos que Donald Trump depuis la jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui disait des choses assez intéressantes depuis qu'il était jeune, Monsieur Biron, je ne sais pas si vous savez ou non, il y a une trentaine d'années. Il a dit, pourquoi nous aidons les Arabes de vivre comme des rois et nous-mêmes ici, on a des problèmes, et notre peuple a des problèmes, nous devons taxer les Arabes. Pourquoi l'un Koweïtien qui vit dans le désert, il vit comme les rois, et moi ici, mon peuple ne vit pas bien. Alors il faut faire des choses patati patata. Après, la personne qui a interviewé Donald Trump, il a déjà 30 ans, il pose la question, il dit, alors vous êtes candidat pour les élections présidentielles, parce que c'est un président qui vous fait tout ça. Il dit, non, pas maintenant, mais un jour, si je vois que personne ne fout rien, moi peut-être je vais faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai confiance en Bush. Je vois que je ne sais pas si vous avez entendu cette interview ou non, monsieur Jean-Philippe Biron. Et comme des interviews comme ça, Donald Trump, il en a beaucoup. Je me rappelle, 2 ans avant la révolution islamique en Iran, il est venu en Iran avec Jack Nicholson, avec d'autres personnalités. Il est venu en Iran en 1977-78. Et là, il voulait acheter plusieurs hectares de terrain pour construire un casino en Iran. Mais après, ça n'a pas marché, après c'était la révolution. C'est-à-dire, c'est un homme de bruit, il fait beaucoup de bruit, et c'est un businessman qui avait bien réussi son business, etc. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais actuellement, comme nous avons pu constater dans les dernières actes en Europe, les Américains et surtout l'équipe de Donald Trump, parce que c'est une équipe économique aussi, il est en train d'aider certains partis extrémistes, surtout en Europe, ou populistes si vous voulez dire, pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire il est en train de créer une alliance avec des partis politiques qui étaient faibles, mais maintenant, jour après jour, ils sont en train d'augmenter. En plus, certains individus, ils ne savent pas que quand ils dérangent le peuple avec leurs idées extrémistes, ils augmentent les tendances extrémistes de droite aussi, parce que dans la société. Mais vous avez parlé d'impunité, cher monsieur Biron, et peine de prison, et je ne sais pas quoi. Alors, à votre avis, il faut mettre les gens en prison, il faut punir les gens,
où il faut éduquer les gens. Parce que c'est ça, quand j'ai parlé de autocensurer, autocensurer, c'est-à-dire on nous empêche de dire la vérité sur certaines choses de l'histoire qui peut aider actuellement les gens qui sont héritiers de certaines idéologies fascistes, intégristes. Ces gens-là, au lieu de les mettre en prison, au lieu d'attendre qu'ils entrent dans l'acte, ce serait mieux de les éduquer, d'ouvrir le débat partout et tous les jours sur certaines idéologies qui ne sont pas religieuses, idéologies racistes, fascistes, anti-civilisation, puisqu'ils ne regardaient depuis 14 siècles, énormément de civilisations ont été shootées à cause de cette idéologie. Alors, médias ici, comme vous dites, ils donnent des informations, mais médias, ils doivent éduquer en même temps aussi. L'éducation, ce n'est pas seulement à la maison et ce n'est pas seulement les parents. Éducation, il fallait dans les médias, comme vous faisiez à l'époque, dans votre magazine Chambre et Sénat, chaque numéro qui sortait, vous présentez quelques livres. Déjà, c'était un travail d'éducation, encourager les gens de lire des nouveautés qui sont sorties. Et de l'autre côté, vous aviez des experts qui, sur votre direction, ils mettaient des articles pour éclairer les gens. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des informations, éclairer les gens. Moi, actuellement, j'ai une archive de Chambre et Sénat chez moi. De temps en temps, je feuillette, je regarde, je vois. Il était tellement riche, cette magazine. C'était un exemple, hein, vous voyez. Alors, ce travail d'éclairage, au lieu de faire la pression, mettre les gens en prison, etc., etc., est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'État et le média doivent prendre compte, de prendre en main et en priorité? Monsieur Jean-Philippe Biron, je vous écoute. Oui. Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Il est certain qu'au niveau éducation, l'éducation nationale, pour commencer, se trouve dans la situation qui résulte de 35 ans d'une politique qui a laissé faire beaucoup de choses, qui s'est battue plus ou moins contre la famille, qui s'est battue plus ou moins contre les religions existantes de façon différente de ce qui avait pu se faire en 1905. Le but étant de redonner le pouvoir aux non-cléricaux, chose qui n'était pas nécessairement mauvaise, mais surtout, il y a eu des pertes de repères importantes. Il faut remonter très loin pour tout ça, c'est la résultante d'années... On remonte aux périodes de guerre, aux périodes pendant lesquelles sont passées des choses atroces à tous les points de vue, dans tous les coins du monde, où personne n'a pu ressortir complètement innocent. L'éducation a beaucoup souffert. Les professeurs ont été souvent les premières victimes. En perdant non pas un pouvoir de corriger des enfants, mais la notion de respect a beaucoup disparu dans les établissements scolaires. C'est dommage pour tous ceux qui veulent apprendre, c'est dommage pour tous ceux qui veulent enseigner. Ensuite, le service militaire, qui était une façon de mélanger les populations entre elles, de permettre à des gens qui habitaient à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres des uns des autres de se rencontrer, de discuter ensemble,
peut se créer des amitiés, même temporaires ou très souvent durables. Pendant une période de leur vie, vous étiez isolés de leur famille. Tout ça, ça a disparu. Il a été décidé à un moment qu'il fallait faire le bien à tout prix. Actuellement, le monde, enfin, notre monde est pour beaucoup aux mains de personnes qui veulent faire le bien à tout prix. Faire le bien à tout prix, c'est difficile. Surtout quand on est obligé de faire le mal, sans faire attention aux résultats. Alors, certains vont dire complot, complot, complot. Il n'y a pas de complot, il y a de mauvaises habitudes qui ont été prises. Ces mauvaises habitudes, elles ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. On ne peut pas en accuser ceux qui actuellement les subissent, parce qu'on peut bien dire que ceux qui sont accusés actuellement se sont mal comportés souvent, suivant des habitudes qui ont été prises par ceux qui étaient là avant eux. Mais étant donné que personne ne disait rien, ben, c'est allé de plus en plus mal. Et ces mauvaises habitudes sont devenues la règle. Alors, on peut être scandalisé par certaines choses qui sont révélées au public, qui d'antan étaient l'exception, une exception coupable, mais qui sont devenues des habitudes. Et les habitudes, ma foi, il est toujours facile d'accuser celui qui est en face, surtout quand on a le pouvoir. Malheureusement, pour être crédible, il faudrait se comporter suivant la règle et non suivant l'habitude. Alors, l'éducation. L'éducation, c'est l'école, c'est la famille pour commencer. La famille qui doit vivre normalement de son travail, ou des fruits de son travail, et non pas de ce que peut lui apporter la nation, qui est devenue bien commode dans une situation où l'emploi a disparu, alors que d'énormes fortunes se créaient, et se créaient principalement dans la défaisance des industries. On vit dans un monde complexe, et il est difficile de répondre à toutes ces questions. Tout se tient. Quand on tire sur une ficelle quelque part, on est souvent surpris de ce qui est attaché à l'autre bout. Il y a besoin de beaucoup de prudence. Cette prudence n'est pas de mise dans les relations internationales actuellement. La prudence, c'est d'abord, comme on dit, de s'assurer. L'assurance ne coûte cher que quand on la paye, mais avant l'accident. Actuellement, on fait beaucoup de choses sans s'assurer. Sans s'assurer avec des convictions que rien ne va se passer, alors que d'autres voient dans l'avenir, un peu comme Madame Soleil pouvait le faire dans le temps, des nuages sombres qui s'accumulent. Pourquoi on laisse faire? Pour faire le bien. Enfin, faire son bien. Pas le bien des autres, son bien. Je lisais un article il y a peu de temps dans un blog qui s'appelle Agora, qui parlait de la richesse qui s'accumulait sur certaines personnes, alors que d'autres mouraient de faim, et de plus en plus, avec les différents systèmes économiques qui se mettent en place,
avec la tendance à remplacer les hommes par des robots, etc., on n'est plus dans la science-fiction. On est dans la réalité des choses. Certaines fortunes sont, n'ont jamais été vues dans le monde par le passé de la même façon. Il y a eu des fortunes énormes, mais des fortunes énormes qui étaient quand même reliées à quelque chose. Actuellement, la fortune de certains se fabrique comme le papier peut permettre à certaines monnaies de contrôler le monde, ou du moins d'essayer de le contrôler. Nous avons perdu le contrôle de nos monnaies. Alors là, on peut espérer que l'arrivée d'une personne qui a dirigé le FMI pendant des années va faire bouger un peu les choses pour l'Europe. Une Europe qui s'est mal dessinée au courant des élections qui ont été un peu faussées par ce que vous appeliez tout à l'heure le blâme que l'on peut faire porter à certains partis dits nationalistes, dits entre guillemets fascistes ou fascisants, etc., que certains partis politiques sont arrivés à maintenir en dehors du jeu permanent, tout en leur permettant de se corrompre de la même façon qu'ils se sont corrompus eux-mêmes. Ça fait trop de clients pour la buvette. Mais à part ça, sont-ils tellement différents des autres? On peut franchement se poser la question. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de... On demande aux gens de voter pour des mots, de voter pour des visages, pour des gravures de mode, mais il serait plus intéressant de voter pour une politique relativement claire. Certains ont pu rêver il y a peu de temps. Il y a toujours des efforts, mais il y a de plus en plus de doutes qui s'installent. Les politiques de grand rassemblement actuellement ne permettent qu'à 50% de la population de voter. Quand je dis permettre, c'est que les 50% qui ne votent pas considèrent que ça n'en vaut pas la peine et que ça ne changera rien. Je regardais cet après-midi dans une exposition une photo d'un philosophe, enfin je ne sais pas qui c'était, qui disait si la démocratie permettait vraiment d'accomplir quelque chose, le vote serait interdit. Donc, tout ça ce sont des considérations. Il est difficile de parler clairement de tous ces sujets qui sont très complexes quand même. Et qui sont très complexes également pour les gens qui cherchent à se renouveler en permanence et qui manquent d'une certaine expérience, expérience de cesse historique. Refaire le monde, c'est difficile. Monsieur Trump, dont nous parlions tout à l'heure, oui, est un homme d'affaires qui a connu tous les hauts et tous les bas possibles, qui a réussi à se battre avec ses banquiers et à gagner, et qui maintenant sait contrôler le jeu d'une certaine manière. Il a compris certaines choses. Il a des moyens considérables. Une partie de ses adversaires l'accuse de 36 000 choses. Mais on peut facilement dire qu'il a refusé son salaire de président.
qu'il ne le dépense pas, qu'il coûte cher quand il voyage ou quand, quand il habite en Floride au lieu d'habiter à Washington. Tout ça, ce sont des considérations qui ne tiennent plus tellement. Le monde actuellement a besoin d'un peu de raison. Il n'a pas besoin de violence, il a besoin de raison. Et les manifestations dont vous parliez tout à l'heure devraient être considérées comme inacceptables. En ce qui concerne l'histoire de mettre les gens en prison ou pas, il y a des gens qui, s'ils ne se trouvent pas bien ici, qui s'en aillent. Qu'ils s'en aillent, qu'on n'ait pas besoin de les jeter dehors. Ça ne sert à rien de se laisser envahir. Quand vous avez des amis qui se tiennent mal quand ils viennent chez vous, eh ben, vous ne les réinvitez pas. Vous leur payez pas le billet pour qu'ils viennent vous voir depuis la province. En plus, non, autre chose, M. Buron, hier soir, Brouilly qui était en ville, surtout à Paris, alors, il y avait ailleurs aussi. Le lendemain, ce matin, je rencontre certains amis qui sont de même pays que l'équipe a gagné hier soir. Et ils m'ont dit, moi-même aussi j'étais gêné, puisque j'avais honte envers tous les voisins qui me connaissaient, que j'étais de comme ci, comme ça. Après, ils disaient, dans notre pays, si on déborde à partir de telle heure, et même deux, trois personnes lui font de bruit, on va les arrêter tout de suite. C'est-à-dire, en Algérie, il disait, monsieur aussi, il était algérien, il était kabyle algérien, il disait que cette bruit, ce n'est pas jusqu'à 4 heures du matin, 3 heures du matin, par plusieurs milliers de personnes, etc., etc., ou freiner, tirer des balles, etc. C'est interdit, on arrête les gens tout de suite. C'est-à-dire, et ça c'était la dernière anecdote qu'on a eue hier et la semaine dernière, mais énormément d'autres choses, la violence contre les policiers. On ose de frapper les policiers. Les policiers qui sont là pour garder la sécurité de toi, de moi, de notre famille, on ose de frapper les policiers, frapper. Seulement tu touches le policier dans ces pays tiers monde, tu touches seulement. Ou seulement si tu dis un mot, monsieur Jean-Philippe Biron, on vous arrête, vous êtes jugé tout de suite en prison. C'est-à-dire, cette liberté que certains le profitent ici, ce n'est pas déjà la liberté, c'est la révolte quand on le supporte, n'est pas autorisée dans le pays tiers-monde. Mais d'autres choses que vous avez bien signalées, pouvoir d'achat, c'est-à-dire la pauvreté qui existe, d'un côté, crise économique, et tout ça, ça vient, je crois, M. Jean-Philippe Biron, vous êtes économiste, vous allez nous répondre, ça vient de cette dette, l'endettement des pays. Actuellement, le monde entier, il est endetté. Le monde entier, il est endetté. Endetté de quoi? De papier. Puisque la monnaie mondiale est liée au dollar, et le dollar qui est imprimé sans support d'or, on imprime autant qu'on veut, on donne aux gens, et les gens, le pays, ils l'acceptent. Alors, un endettement qui n'est pas juste existe dans tous les pays, que ce soit la France, on ne parle pas de la Grèce, l'Italie, partout. Je crois que l'endettement de l'Allemagne est tellement faible, M. Jean-Philippe Bion, n'est-ce pas? Alors, cette question, puisque vous êtes économiste, d'endettement qui empêche le progrès de la société dans les années qui viennent. Et une partie des problèmes aussi, ils viennent de pauvreté et de pouvoir d'achat. Les gens, quand ils n'ont pas l'argent,
ils deviennent violents, c'est tout à fait normal. J'ai pas l'argent, je peux pas manger assez comme les autres. Après, ils pensent que puisque vous avez l'argent, moi j'ai pas l'argent. Alors, nous avons entendu dans certains actes racistes commis en disant ah, telle partie des gens ils ont de l'argent, voilà, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et même en Israël, il y a les gens pauvres et qui sont ici aussi. Alors, monsieur Jean-Philippe Biron, cette histoire de dollars et attachement des pays mondiaux à cette billet qui n'est que du papier, que l'endettement des pays augmente chaque jour, est-ce qu'il y a une cause importante concernant tous ces problèmes économiques et pouvoir d'achat et pauvreté qui est en train d'élargir, comme vous venez de dire, dans notre monde, monsieur Jean-Philippe Biron? L'endettement du monde, c'est une chose. Bon, c'est pendant un certain temps, on savait exactement ce qu'il en était. Aujourd'hui, on regarde des chiffres, on parle de chiffres qui correspondent à certaines décisions. Des décisions qui font que, en France par exemple, on vote un budget chaque année, mais les gens qui dépensent le budget qui a été voté n'ont pas la même sagesse que les ménagères montant et seraient, s'ils étaient en entreprise, en faillite quasi permanente. L'argent public, pour les politiques, est trop de l'argent à la disposition, du public, alors qu'il s'agit plutôt de l'argent, des citoyens, des entreprises qui devraient fructifier, mais leur préoccupation principale actuellement, c'est de le dépenser. Pour beaucoup, ce sont des gens sincères qui font bien leur travail. Malheureusement, ils ne sont pas tout seuls et ils ont un environnement qui s'est créé au fur et à mesure des années, qui ne leur permettent pas, qui ne leur permet pas nécessairement de bien faire les choses. La dette mondiale, il est certain que quand certains pays ont une activité, je dis bien ont une activité, que cette activité peut être ranimée par un politique qui fait les choses différemment, très rapidement. C'est que cette activité existe encore. C'est que les règles qui jouent font que certaines personnes qui n'ont pas de travail cherchent par tout moyen à en obtenir, étant donné que c'est quasiment la seule façon de survivre et qu'il est difficile de le faire autrement. Dans certains pays, on va parler de choses sensibles. Le problème de la drogue, par exemple. Vous disiez tout à l'heure que les malheureux se lancent et fassent de la violence. Je trouve pas qu'on en ait vraiment d'exemple en France. Les gens qui ont fait de la violence sur les Champs-Élysées ou ailleurs, à Nantes, à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg, etc., sont pour certains, très peu vraiment, des personnes hein, qui n'avaient pas d'activité connue. Mais on n'a pas parlé.
ou des réseaux de drogue qui sont en augmentation constante, aux États-Unis aussi d'ailleurs, où le cannabis est de plus en plus... Enfin, on voudrait nous donner l'impression qu'aux États-Unis, le cannabis est autorisé partout. Quand on dit cannabis, on dit bien sûr tout de suite après cocaïne, héroïne, etc. Dans certains pays, tous ces produits deviennent, on pourrait dire, de consommation possible par des jeunes qui sont dans des collèges, dans des lycées. Et quand on trouve les coupables, entre guillemets, par, qui peuvent introduire ce genre de produit, ben, ma foi, on ne considère pas ça comme quelque chose de très grave. C'est un acte économique à la société ensuite de régler les problèmes de, ou de ne pas les régler. Dans certains pays, l'économie redémarre, l'industrie redémarre. En France, comme dans pas mal de pays d'Europe, mais plus en France qu'ailleurs, nos industries et même nos petites entreprises qui avaient beaucoup de savoir-faire ont été vendues. Ont été vendues dans un premier temps en disant on va faire fabriquer à l'étranger. C'est très bien, il y a des pays nouveaux dans lesquels il y a des gens qui travaillent pour pas grand-chose. Et donc on a transféré vers ces pays une partie de la fabrication qui était normalement faite par des nationaux. Cette fabrication, bien évidemment dans ces pays, on a développé des systèmes qu'on appelle robots, mais enfin qui sont des machines industrielles, des machines-outils évoluées, qui permettent de réduire le nombre de personnes qui travaillent, comme on avait pu le faire dans les années 1800, 1900. Et on peut faire actuellement avec moins de monde ce qu'on pouvait faire avec beaucoup plus de monde précédemment. Le seul problème, c'est que le système s'emballe, que les produits dans lesquels on faisait fabriquer ont réalisé que ce qu'ils fabriquaient pour 1 ou 2 euros, si on veut, pouvait être revendu 100, 150 euros par des entreprises qui n'hésitaient pas par la suite à mettre au pilon des produits en trop grand nombre de façon à maintenir leur marge. Parce qu'ils ne les avaient pas vendus, donc les invendus, on les détruisait, quitte à refaire fabriquer derrière d'autres choses. Ces pays qui fabriquaient ces produits avaient des accords, les accords ne sont que des accords qui sont contrôlés par les règles internationales, pour autant que ces règles s'appliquent, or elles ne s'appliquent pas dans certains produits, dans certains pays j'entends. Et ces pays, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit... on va fabriquer ces produits pour les entreprises que nous les demandent, et puis nous-mêmes, nous allons faire d'autres produits qui seront vendus par d'autres entreprises et qui permettront de collecter un peu plus de marge. C'est ainsi que, par exemple, actuellement, des produits, l'Allemagne a très bien vu les choses et a pris la distribution de quantités de produits fabriqués à l'extérieur, qu'ils faisaient fabriquer à l'extérieur, et sur lesquels, en fin de compte, ils ne mettaient plus que leur marque. Ceci a permis de générer des profits énormes. Profit que l'on retrouve dans le budget allemand. Mais
d'un autre côté, actuellement, si vous allez dans certains grands magasins de bricolage, vous pourrez trouver d'un côté le produit allemand, qui aura été fabriqué dans le même pays que tous ceux qui l'entourent, que tous les autres produits qui l'entourent. Ce produit sera, disons, à 100. Et vous, si vous parlez avec les gens du magasin, ils diront, mais nous avons également notre marque, qui également a été fabriquée dans le même produit, et un peu dans les mêmes usines. D'un côté, vous avez une garantie de 3 ans, ben, nous allons vous faire la même garantie. Avec la première marque, ben, vous avez la certitude que c'est une marque importante, de grande qualité. Pour l'autre, vous n'avez pas la même certitude. Mais si votre produit ne fonctionne pas, ben, dans les 3 ans, rapportez-le et nous vous l'échangeons. Sans vous poser de questions si vous l'avez cassé, si vous l'avez mal entretenu ou autre chose. Ben, ça, ce sont les produits qui sont vendus par les produits qui ont accepté de fabriquer les produits d'origine. C'est en train de se répandre partout. Et en France, par exemple, ben, il est très difficile, il va être très difficile de se passer de certains produits d'importation. Jusqu'au jour où nous n'aurons plus les moyens de nous les payer, étant donné que des temps de marché, ben, ces pays décideront d'augmenter leurs marges. On se relancera à ce moment-là dans une nouvelle forme de dette, de façon à pouvoir continuer à fonctionner. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Bien sûr, Monsieur Jean-Philippe Biron. Je vous remercie beaucoup. Dernièrement, sur l'impression des billets, des papiers au nom de dollars, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Disons que la Banque de France fabriquait imprimait ses propres billets, et puis nous avons décidé de ne plus le faire. Actuellement, nous avons gardé pendant un temps l'impression des billets pour la France. C'est plus totalement vrai. Mais tout ça, c'est une impression qui dépend des systèmes de contrôle de la monnaie, qui décident d'en fabriquer ou de ne pas en fabriquer, d'en détruire un certain nombre parce qu'ils sont trop vieux, de les remplacer par d'autres. On n'a pas vraiment de contrôle permanent de la quantité qui circule. Bien sûr, ce contrôle existe. Certaines personnes savent ce qui circule, mais ils ne sont pas foules. Ils ne sont pas fous. Et leur intérêt n'est pas de définir ces choses-là. C'est-à-dire, même pour les États-Unis, il y a cette contrôle? C'est les qui États-Unis, qui contrôle? C'est contrôlé par qui? On peut pas dire que c'est de la fausse monnaie. Actuellement, il y a peu de choses corrigeables. On parle des bitcoins actuellement ou de choses comme ça, qui sont des fabrications pures et qui se développent très bien en bourse, enfin en bourse ou à côté. Il y a des gens qui actuellement payent en bitcoin. C'est un système. C'est pas aussi beau qu'un Rubens ou qu'un Watteau ou qu'un Picasso ou qu'un Miro. C'est plus facile à faire. Et il faut arriver à mettre derrière une belle image.
qui garantit qu'on ne va pas tout perdre du jour au lendemain. Mais le système de la monnaie est attaqué par ce qu'on lui fait faire actuellement. Bretton Woods a supprimé l'utilisation de l'or, qui était la monnaie d'échange qu'on stockait en France, qu'on stockait aux États-Unis pendant les guerres, ou qu'on stockait en Suisse ou ailleurs. Bon, actuellement, le système a changé. Mais le système actuellement est bien difficile à définir quand même. Et il faut beaucoup de sagesse dans sa gestion. Et une sagesse qui est gênée quelquefois par l'appétit de lucre. Question difficile. Question difficile. Question difficile, réponse difficile. Monsieur Jean-Philippe Biron, je vous remercie beaucoup. Merci de rester avec nous pendant une heure presque. Si vous permettez, je vais vous laisser vous reposer en vous remerciant encore une fois. Je vous dis à très bientôt, mon cher ami. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir et au revoir. À bientôt. Au revoir, monsieur Jean-Philippe Biron. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Maintenant, c'est vous qui vous avez la parole. Mes chers amis, on va entendre vos appels. Vous pouvez intervenir, poser vos questions et vous exprimer. 09 92 23 95 20. On est là pour vous écouter.